Les amis, c'est Clément. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait beaucoup, beaucoup de temps que je ne vous en avais plus fait. Et là, j'ai regardé ma chaîne, 48 abonnés. Je me suis dit, purée, faut que je fasse une vidéo. Alors, je me suis dit, je vais attendre quelques jours le temps de voir qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo. Et d'après tout ce que je fais maintenant, et bah, je vais vous montrer une vidéo du matériel que je prends pour une randonnée de un jour et demi. Bah voilà. Et disons que il y a largement assez et je pourrais même encore mettre plein de trucs encore. Du coup, je vais vous conduire dans l'endroit. Vous voyez mieux. Alors, on va commencer par le sac. Alors, le sac, c'est un Quechua Fort Class 30R. Celui-là. Celui qu'on a vu dans la pub d'un manteau, là, Yellow Jacket. Enfin, je sais plus trop quoi. Et donc, voilà. Et du coup, je vais vous montrer le matériel que je prends lorsque je fais une de ces vidéos. J'espère que c'est bien cadré. Voilà, on va commencer par l'hiver. Du coup, une chapka Weds pour le froid, un gilet polaire Quechua aussi. Hein. Ouais, Quechua. Enfin, ouais, Quechua, on voit pas beaucoup grâce à la lumière. Ensuite, les chaussures. C'est des arbres. Fort Class 50 MID. Alors ensuite j'ai une lanterne aussi qui est Quechua, qui fait très bien le taf. Voilà, vous voyez mieux. Alors bon, ça va, ça éclaire bien. Ensuite j'ai dans mon sac. Alors, il est très confortable. Vous ferez peut-être une vidéo review un de ces jours. Un poncho pour la pluie et pour protéger mon sac aussi de la pluie et tout ça. Voilà. J'ai ici une petite gourde que j'utilise quand on ne fait pas des longues randonnées. De toute façon, je sais. Souvent, ou quand on fait une randonnée, il y a souvent un endroit où il y a de l'eau qui fond comme ça, alors c'est bon. Voilà. J'ai aussi un tupperware Quechua. De chez Quechua, vous voyez pas parce que c'est gravé dessus. Et alors, c'est là où je vais mettre de la nourriture et tout. Mais c'est souvent quand je pars en randonnée une petite journée. Et que genre je mets des petites barres de céréales et tout ça. Enfin, pas un gros truc avec des trucs lyophilisés et tout ça. Enfin, voilà. Je fais d'abord avec ça. C'est quand c'est une journée pour une petite journée, quelques heures et tout ça. Voilà. J'ai aussi un sac de couchage 25 degrés en bleu. Mais il est tellement grand que ça va être chiant de vous le montrer en caméra. Je vais quand même vous le montrer parce que c'est vous. Et qu'on ait presque 50 abonnés, mais sinon, vous l'aurez pas fait. Hein? D'accord. Voilà. C'est ça. Quechua. Voilà. Et alors, bah voilà. Et c'est le sac de couchage. Et du coup, c'est là où je vais dormir dedans. C'est un 25 degrés, du coup, n'allez pas. Ne prenez pas celui-là si vous allez en hiver où il fait 10, 0, enfin non, surtout 0, moins 5 et tout ça. Ne le prenez pas celui-là. Mais ça c'est plus pour l'été. En hiver, ben, vous en faites pas trop, quoi. Et du coup, dans mon sac, j'ai aussi une petite pochette dans laquelle il y a des paquets de mouchoirs. Ça sert toujours de paquet de mouchoirs si je devrais moucher, si je devrais saigner ou quoi. Bah voilà. Et du coup, je vais tout remettre tout ça.
Et ensuite, ça va être la fin de la vidéo, d'accord? Et alors, ça rentre parfaitement dedans. Hein. Le sac est assez grand. Et je survis avec celui-là, quoi. J'en ai encore des plus grands. Mais bon, c'est la fin de la vidéo, les amis. Au revoir.